Je place les doigts de ma main droite, comme ça, le pouce sur la quatrième, index sur la troisième, majeur sur la deuxième, annulaire sur la première. Et là, principalement, je vais jouer avec un doigt attribué à chaque corde, comme ça. Pourquoi? Parce que quand j'ai fini de jouer avec une corde, après, il peut servir d'étouffoir en se reposant dessus. Je vais jouer la gamme de Ré majeur, sans rien éteindre, comme ça. C'est pas beau parce que des fois je joue par exemple la troisième corde et la précédente corde jouée résonne et on entend le glisser en même temps, donc c'est pas très joli. Alors que si j'éteins, on va entendre une gamme de Ré majeur parfaite. Et là, à chaque fois que j'ai attaqué une corde, on voit bien, mon doigt il se repose. Je refais l'autre version. Évidemment, on comprend rien. Bon, on n'aura pas de passage comme ça dans le morceau, mais il y a des moments où on est vraiment obligé d'éteindre. Alors, ces moments-là, c'est deuxième portée quand je fais 12, 10, 12. Ok? À ce moment-là, quand je joue le 12, bah je pose, j'ai forcément mon pouce sur la quatrième corde, quand je faisais 7 avant. Ok, pour pas que j'entende la quatrième corde. Et puis quand je vais à 10, mon index, il est posé sur la troisième corde. Et j'attaque pouce et majeur, quatrième et deuxième corde. Ok, et je peux m'entraîner à enchaîner l'empreinte 12-12 et 10-10. Alors, j'ai pas. Des fois, je marque un petit signe pour dire cette corde, il faut l'éteindre. Sur la partition à télécharger, je l'ai pas noté, mais. Parce que j'aime pas qu'il y soit, mais voilà. On peut le mettre si vous voulez, et comme ça, enfin, vous pensez à l'éteindre cette corde pour pas qu'elle résonne. Les autres passages qu'on peut trouver comme ça, c'est dans quatrième portée, quand j'arrive sur à la fin là. À ce moment-là, comme j'ai que la troisième corde à jouer, enfin la première corde, troisième case, et que les autres elles vont être à vide, il faut pas qu'elles résonnent. Donc mon button leg, je le mets comme ça, et bon, je pourrais les laisser à vide, mais l'inconvénient c'est que quand je fais ça, quand je retire le button leg comme ça, je peux faire sonner les cordes à vide parce qu'elles résonnent là. Et si je bascule mon button leg brusquement, bon là ça l'a pas fait, mais si je le faisais brusquement. On entend les cordes à vide comme ça. Donc, pour éviter, là j'ai posé pouce index majeur et là je peux attaquer le 3 sur la première corde. Ok? On retrouve ça aussi dans le refrain. Avant les 8-8. Pour éteindre, je pose le pouce sur la quatrième et la troisième corde comme ça. Avant de faire le 8-8, parce que quand je passe de 5 à 5, comme ça, si j'éteins pas la troisième corde, en fait, ici j'ai une harmonie de Fa mineur. Alors que je veux pas Fa mineur, je veux rester Fa majeur, donc il faut étouffer la troisième corde, ok? Ok? Et puis à la fin, dernière portée, quand je joue le 8, je repose mon pouce quatrième et troisième corde. Parce que sinon, là j'ai une harmonie de G. Le risque. Bon là ça le fait pas trop, mais je pense que si vous avez un ukulélé qui résonne un peu plus que le mien, ici on entendrait une harmonie de la bémol. Bon c'est joli, mais j'ai pensé que c'était pas pertinent. Donc sur le 8, moi j'éteins la résonance de la quatrième et la troisième corde. Je tiens le button leg avec l'auriculaire. On peut le faire aussi avec le majeur, si on n'a pas des trop gros doigts, sinon on est obligé d'utiliser l'auriculaire. Comme ça le majeur. Toc. Et après, avec ces deux doigts, et éventuellement le troisième s'il est libre, j'éteins les cornes, ou plutôt j'étouffe les cornes qui sont du côté extérieur. Comme ça. Je vais faire la gamme de Do.
Et si je faisais la même chose en laissant résonner? Je sais pas si vous entendez la différence, moi en tout cas, d'ici au-dessus de votre ukulélé, vous l'entendrez. Parce que le son, il est vraiment mieux défini si on pose les doigts derrière, ok? Donc la majorité du morceau, moi je pose les doigts comme ça. Sauf à un moment, sur la deuxième page, dernière mesure de la deuxième portée, on a 12-12 comme ça. Et donc quand je fais mon à 12, à ce moment-là, je retire les doigts pour laisser résonner aussi de ce côté. Parce que si j'éteins, ça donne ça. Ça se donne un son propre. Alors que si je le retire à 12, en fait, ça fait une sorte d'harmonique. Parce que ça sonne aussi de ce côté. Et après, quand je glisse, j'entends à la fois un glissé qui monte et un glissé qui descend. Alors, le glissé qui descend, c'est celui qu'on entend beaucoup. Mais on entend un tuit qui monte dans les aigus. Et si j'éteignais, on n'entend vraiment que la descente. Et là, on entend un peu les deux. Ok ? Le bottleneck, il est exactement au-dessus de la frette. Ni là, parce que ça sonnerait trop grave, ni là, parce que ça sonnerait trop aigu. C'est exactement là. Alors, faut ni trop appuyer, ni trop pas assez. Donc, bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Si j'appuie pas assez, le risque, c'est d'entendre ça. Un petit bzing. Donc faut appuyer assez pour pas l'entendre. Mais faut pas trop appuyer parce que si j'appuie trop, quand je vais glisser, on va entendre les frettes. Bon là, on les entend pas trop. Sur la quatrième corde, on risque de l'entendre mieux. On entend la frette. Alors qu'on devrait pas l'entendre. Ok, comme ça. Dès la première mesure, le 3-3, ça s'appelle l'anacrouse, on compte pas ça comme une mesure. Donc dès la première mesure, c'est à partir du Do, on a 7 et 8, enfin 6 et 7. Et pour, c'est ce qu'on appelle un slant. Ou slant, je sais pas, je parle pas anglais. Mais voilà, il faut à la fois faire 6 sur la première corde et 7 sur la deuxième. Donc pour faire, on est obligé d'incliner le bottleneck. Alors, si là, c'est un slant qui veut dire que je vais aller vers l'extérieur avec mon poignet. Donc, je vais un peu sortir de la façon dont il joue d'habitude. Ok ? Donc, je vais vraiment vers l'extérieur. Si on avait... il faut pas avoir peur de lever le coude. Hein. On pourrait avoir... Là, c'est pas le cas, mais par exemple, l'inverse. 6 sur la deuxième corde et 7 sur la deuxième corde. Et ben, faudrait vraiment pas avoir peur de casser son poignet pour avoir le bon angle, ok? Alors, comment savoir si c'est juste? Je joue 7 et 6 avec mon premier et mon deuxième doigt. Et après, je joue avec le bottleneck et j'essaie de voir si c'est juste. Et... à force, j'espère que on arrive à retenir le son que ça fait en fait, c'est-à-dire la hauteur qu'on la mémorise. Comme ça, quand on joue, si c'est faux, on arrive à se corriger. Et après, le slant, on le glisse. Alors, entre le 6 et le 7, on voit une liaison. Ça veut dire que j'attaque comme ça le 6 et le 7 avec la basse. Et quand je joue la quatrième corde, les deux cordes aiguës, je ne les rattaque pas. Et sur le deuxième temps, le 7 et le 8, je les rattaque. Ok ? Donc là, vous voyez comment je casse mon poignet aussi pour aller vers l'extérieur et trouver la bonne inclinaison. Ok, donc ça c'est un exercice qu'on peut isoler juste pour trouver le slant. Ok ? Hormis le 6 et le 7, le slant de la première mesure,
qu'on retrouve aussi premièrement, enfin la première troisième portée, vu que c'est la troisième portée, la deuxième c'est la même chose. Partout ailleurs, j'ai pas mis où jouer les glissés. En fait, c'est à votre libre interprétation. Des fois, il y a des endroits où je mettais un glissé et je l'ai retiré. Et puis des fois, je le mets. C'est suivant les humeurs, il n'y a rien d'obligé. Ok? C'est-à-dire que si je joue le début, sans glisser. Là, j'ai pas glissé. Si je rajoute des glissés. Là, j'ai mis des glissés un peu partout. Donc, on n'est pas obligé d'en mettre partout, ni de pas en mettre. Faut les mettre là où on aime. Entre le 7 et le 5, moi j'en mets. Mais là, entre le 4 et le 5, on n'entend pas de glisser. C'est-à-dire, j'attaque mon 4, et dès que je veux attaquer le 5, c'est simultané, donc on n'a pas le temps d'entendre le glisser entre 4 et 5. Si je voulais l'entendre, en fait, dès que je joue le 4, j'anticipe le 5 et donc je commence à glisser. Ok? Dès que je joue le 4, je glisse vers le 5. Et quand j'arrive à 5, je réattaque. Ok? Donc par exemple, je joue 7-5, là. Ok, là, pour qu'on l'ait entendu, il fallait que... Bon, je me répète pas, mais vous avez compris. Ok, donc on glisse si on veut, mais il faut réfléchir soi-même là où on aime les glisser. Et c'est comme ça pour tout le morceau, hein. Une des difficultés, si on n'a jamais joué au bottleneck, c'est de trouver la bonne vitesse du vibrato. Si je vibre pas, par exemple, je vais faire la deuxième portée. Ok, et puis l'harmonique. Mais si je vibre, bon ça c'est sans vibrer, vous voyez, c'est un peu, c'est fade. Mais au début, quand on commence à s'entraîner, il faut forcément s'entraîner sans vibrato. Le vibrato, on pourra le mettre après, enfin si on maîtrise pas. Pourquoi on débute sans vibrer? C'est pour jouer exactement au-dessus de la frette, ok? Quand je commence à vibrer, si je vibre trop ample, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ça fait un son comme si la cassette bande magnétique, elle était restée au soleil sur la plage arrière du coffre. Et après, quand on la met dans l'autoradio, ça fait un son très comme ça. Enfin, j'imagine. Et ben voilà, quoi, ça marche pas. Il faut vibrer plus vite. Mais attention, parce que vibrer plus vite... oui, parce que là aussi, je vibrais lentement. Donc, il faut pas vibrer trop ample, il faut vibrer plus serré, ok? Pas ample. Serré. Et puis pas trop rapide ni trop lent. Alors si je vibre trop lent, trop rapide. C'est pas joli, hein. Il faut vibrer moins vite, donc faut trouver la bonne vitesse. L'inconvénient de trop lent, c'est qu'on entend la note qui change de hauteur. Et ça finit par sonner faux. Donc il faut vibrer rapide, relativement rapide, mais pas trop, pour qu'on n'entende pas la note qui détonne. Ok? À la fin de la première portée, on a des harmoniques. Bon, déjà, si on n'y arrive pas, on peut faire les cordes à vide, c'est-à-dire, je termine là. Et faire ça en cordes à vide, et ça marche très bien. Les harmoniques sont naturelles, ça veut dire que toutes les harmoniques, c'est des cordes à vide. Et avec la main gauche, je joue...
au-dessus de la case qu'il faut. Alors l'harmonique à 12, en fait l'harmonique c'est comme le button neck, c'est-à-dire que hop, je pose mon doigt au-dessus de la frette, et normalement ça fait ce son-là. Ok ? Ça c'est avec la main gauche, donc le doigt se comporte comme le button neck. Et avec la main droite, évidemment je peux pincer, et donc si je pince comme ça, ça donnera ça. Si on a des ongles, ça sonne mieux qu'avec que de la pulpe. Avec que de la pulpe, ça fait un son mat. Avec l'ongle. Et plus on est près du chevalet, plus ça marche. Par exemple, si je joue près de la touche, comme ça, et près du chevalet, les harmoniques sont plus claires. Et dernière chose, si je le joue avec le pouce, je peux buter. C'est-à-dire, au lieu d'aller vers l'extérieur, c'est pincé quand on fait comme ça. C'est-à-dire que mon pouce, on le voit, il va vers l'extérieur. En fait, il faut buter et rentrer à l'intérieur. Et donc, à ce moment-là, on est sonore. C'est comme ça qu'on peut être le plus sonore. Et en restant près du chevalet, parce que si je faisais la même chose ici, le son est plus doux. C'est la même chose, deuxième portée, quand on est à 7. Alors, si on joue, si on ne joue pas les harmoniques et qu'on joue les notes en normal, eh ben, je fais la fin de 7. On fait le barré. On fait un barré 1, par exemple, avec le premier doigt, et puis on arpège. Et on reprend. Ok ? Ça, c'est pas gênant. Troisième portée, on a la même chose. Et quatrième portée, à ce moment-là, comme je joue un 3 avec le button leg, je fais les harmoniques avec la main gauche. Donc déjà, si j'arrive pas à faire les harmoniques avec la main gauche, je fais les harmoniques, je fais pas les harmoniques, c'est-à-dire je joue le 3 et puis j'arpège. Les mêmes cordes, mais à vide. Ok ? Ça donnera ça. Et là, je peux commencer le refrain. Donc ça ne gêne pas du tout d'avoir fait les cordes à vide. Ça, c'est la version simple. Si je joue les harmoniques avec mon 3, à ce moment-là, je fais les harmoniques avec la main gauche. Exclusivement. Comment ça marche? Tout à l'heure, le doigt, ici, divisait la corde en deux, parce que si c'est une harmonique, c'est quand on la divise en 2, à 12, ou quand on la divise en 3, quand on est à 7. Voilà. Ici, quand je le fais avec la main gauche, en fait, voilà, je vais me poser au-dessus de la frette, comme si c'était mon doigt de la main droite. Pardon, avec un doigt de la main droite, je me pose comme si c'était un doigt de la main gauche. Là, j'ai posé l'index. Et avec l'annulaire, je vais attaquer la corde. Ok, on me voit. J'attaque, je me pose, et l'annulaire, il attaque. Et dès que j'ai attaqué, hop, je retire le doigt. En fait, ça peut marcher si je laisse appuyer. En retirant le doigt, il y a plus de chances que ça vibre mieux. Ok, dès que j'ai attaqué, je saute. D'ailleurs, quand je fais les harmoniques au début, je peux laisser mon barré appuyé. Enfin, barré... mais je peux aussi retirer mon doigt dès que je sens la corde vibrer. Pour moi, c'est comme ça que ça sonne le mieux. Ok ? Et avec la main gauche, donc c'est comme ça, que ça consiste. Voilà, je pose mon doigt. Et c'est mieux aussi si on a des ongles. Et là, on trouve même des harmoniques à 5. Donc là, elles seront difficiles à réaliser. Mais parce que à 5, ça vibre. C'est mieux quand on a un ongle. Et à 5, les 4 dernières harmoniques, c'est comme les 4 qu'on a à chaque fin de portée. Qu'on est à 7 sur la deuxième portée ou à 12 sur la première et la troisième portée. Les dernières harmoniques qu'on trouve, c'est sur la deuxième page, dans le refrain, deuxième portée à la fin, quand j'ai 12. Alors, c'est possible parce que le button leg, il correspond à la taille de mon doigt, c'est-à-dire qu'il y a un bout, enfin le doigt il dépasse. C'est-à-dire que si je me place comme ça, l'auriculaire il peut faire l'harmonique à 12. Ok, il peut se poser à 12 l'auriculaire, tac, on va. Et comme ça, je peux réaliser l'harmonique.
Mais si vous jouez avec un bottleneck plus grand, mettons, je vais prendre mon plus grand, comme ça, et ben là, je peux pas faire l'harmonique. Donc forcément, à ce moment-là, soit je choisis de faire la corde à vide, dans le contexte, je vais jouer toute la deuxième portée. Là, j'ai joué pas le 12, j'ai joué 12, mais je peux jouer 0 aussi. C'est ce que je voulais faire au départ, c'est ce que je vais faire maintenant en fait. Pardon, là je suis tombé, voilà, et là maintenant. Bon, je refais pas une prise, vous avez compris à quoi ça ressemble, mais ça marche très bien de faire une corde à vide. Ok, voilà pour les harmoniques. Il existe différents matériaux pour les bottlenecks, mais en fait au ukulélé il n'y a pas beaucoup de différence au résultat. Sur une guitare il y en a beaucoup, mais enfin surtout sur une guitare folk, mais au ukulélé, enfin vous allez voir, je trouve c'est pas pertinent. Ça c'est du verre. L'avantage du verre c'est que ça pèse, celui-là il pèse 20 grammes, donc c'est très léger. Et quand on joue avec l'auriculaire qui n'est pas le plus costaud, ben, on fatigue vite, par exemple avec celui-là, qui est celui qui est gros, d'ailleurs on le voit l'épée, alors que par exemple celui-là qui est aussi en métal, il est fin, et ben celui-là, il pèse 120 grammes. Et alors c'est très fatigant pour l'auriculaire. Bon, la différence elle est quasiment nulle hein, parce que je suppose qu'à l'aveugle on reconnaît pas si c'était du verre, du métal et ou ça doit être de la porcelaine je crois. L'inconvénient par exemple ce genre de capot, de bottleneck, c'est qu'ils sont pas prévus pour le ukulélé et donc du coup celui-là par exemple il prend toutes les cordes, donc quand on a un slant à faire c'est pas facile, ok, et ou même voilà c'est pas utile d'avoir autant de, il est trop long. Et par exemple il y en a aussi des petits comme ça. Alors ça c'est très léger, c'est bien, mais c'est juste bien pour faire de la mélodie, parce que là quand on a 4 cordes à faire, bah il les prend pas. Enfin, et on peut voir, comme ça, hop, il prend pas 4 cordes, il en prend que 3, et 3 c'est difficile de pas être, enfin, de bien les prendre. Donc ça c'est juste bien quand on fait de la mélodie, mais dès que il y a 3 cordes, c'est impossible. Et 4. Moi j'utilise celui-là parce que il est pas, il fait pas les 6 cordes sur une guitare, mais pour le ukulélé il est pas mal, hein. Donc je donnerai le modèle, c'est un Jim Dunlop, mais pour moi c'est le plus pratique. L'inconvénient c'est qu'il pèse 120 grammes et c'est très fatigant pour l'auriculaire, donc au début il y a besoin d'adaptation. L'avantage aussi sur une guitare c'est que normalement plus il est lourd, comme ça plus le son il est long. Mais là ça ne nous concerne pas parce que j'ai fait l'expérience entre le verre qui fait 20 grammes et celui-là qui fait 120, on n'entend pas la corde durait plus longtemps réellement. Enfin, c'est pas flagrant, quoi.